Ça, c'est la femme fatale. Ben, les hommes, ils aiment ça. Les hommes, ils aiment ça. Les hommes, ils aiment quand la femme les charme. Les hommes, ils aiment quand ils ont le cœur qui bat à chaque fois dans la relation. C'est-à-dire, ils sont avec toi et puis le cœur bat à chaque fois. Il est fou à chaque fois. Il te dit, mais je ne comprends pas. Ça fait des années on est ensemble, mais je t'aime de plus en plus. Je ne comprends pas. Tu as fait un médicament ou quoi? Et puis, je suis fond de toi comme ça. Ce n'est pas un médicament. C'est une femme fatale. Alors, vous savez, quand on dit une femme fatale, il y a des gens qui comprennent mal. Il y a des gens, quand ils, ont dit, ils entendent femme fatale, ils pensent que la femme fatale, c'est la femme très facile. La femme fatale, c'est la femme qui n'a pas envie de se caser. La femme fatale, c'est la femme qui sort, qui va en boîte et le même soir, qui prend un homme, qui va coucher avec un homme. Bon, il y a des gens qui pensent que quand on dit femme fatale, c'est ça. Non, ne confondez pas. Une femme fatale, c'est pas celle qui couche le premier soir. Une femme fatale, c'est pas celle qui a plusieurs mecs. Une femme fatale, c'est pas une femme qui aime provoquer, qui n'aime pas se caser. Non, ça c'est une femme facile. Ça c'est une femme facile. Mais une femme fatale, c'est la femme là-même qui aime se caser, qui aime être dans une relation. Ça veut dire que qui sait ce qu'elle veut, qui sait, c'est-à-dire que elle a tellement de l'assurance, parce que une femme fatale, elle a tellement de l'assurance qu'elle n'a pas envie de se salir. Elle n'a pas envie d'avoir une image bizarre. Donc, elle a une image soignée. C'est-à-dire, dans sa relation, elle est dans une seule relation. Mais l'homme avec qui elle est, cet homme-là, elle le rend dingue de jour en jour. Elle le rend malade, fou, d'année en année. C'est ça, une femme fatale. Alors, il y a des femmes qui pensent que, il y a des filles, il y a des femmes qui pensent que, quand on est belle, on est forcément une femme fatale. Non. La femme fatale, c'est pas le physique. C'est-à-dire que tu peux être physiquement belle, tu peux avoir un physique généreux, un physique avantageux, mais ce n'est pas pourtant que tu es une femme fatale. Non. La femme fatale, ça ne se passe pas dans le physique seulement. Ça se passe dans le caractère, ça se passe dans le comportement. C'est ça une femme fatale. Tu peux être la femme la plus belle du monde. Tu peux avoir une silhouette de rêve. Tu peux avoir un visage de rêve, mais tu n'es pas une femme fatale. Parce que tu es peut-être très belle, tu as tous les atouts, mais tu n'as pas un comportement qui va avec. En fait, toi, tu as juste le physique, mais ce qui va avec, ce qui va faire que tu vas être une femme fatale, toi, tu l'as pas. Parce que toi, tu n'as pas de personnalité. Parce que toi, tu n'as pas de caractère. Parce que toi, dans ta relation, c'est-à-dire que tu te laisses marcher dessus. Parce que toi, dans ta relation, tu es trop collante, parce que dans ta relation, tu es tellement, c'est-à-dire que tu manifestes tellement ton amour que finalement tu es juste belle, mais l'homme avec qui tu es, il ne réalise même plus que tu es belle. Ça va là, c'est-à-dire que tu as tous les atouts, tu es belle physiquement, mais l'homme avec qui tu es, comme tu n'es pas fatale, il voit même plus ta beauté, il voit même plus même ta valeur, parce que tu es belle, certes. Mais tu n'es pas une femme fatale. Tu n'as pas le caractère qui va avec. Tu n'as pas le comportement qui va avec. Voilà, la femme fatale, ça se passe dans le comportement. Alors, quand on dit une femme fatale, une femme peut être mariée. Toi, une femme, tu peux être dans ton foyer. Tu as une femme mariée. Tu n'as jamais été une femme fatale. Mais tu peux commencer à être une femme fatale. Ouais. Ça veut dire, quand on dit une femme fatale, ne pensez pas que c'est juste... Excusez-moi, hein? Ma gorge sèche beaucoup, je suis un peu enrhumée. Vous savez, votre coach là, elle n'aime pas porter manteau. J'aime pas porter manteau. Manteau qui monte jusque là, moi, j'aime pas. Oh. Je suis toujours sexy. Même en hiver, je suis sexy. Donc, je suis toujours grippée. Ma gorge est toujours sèche. Voilà, après, le froid me bâchit seulement. Le froid va me tuer. Vous comprenez? Tu peux être dans ton foyer. Tu peux être une femme mariée. Tu es avec ton mari, ça fait 15 ans. Tu es avec ton mari, ça fait 10 ans. Mais ton mari, si tu vois qu'il y a un laisser-aller, si tu vois qu'il y a la routine qui s'est installée, toi, tu peux commencer à être une femme fatale. Donc, ne pensez pas que pour être une femme fatale, c'est en début de relation. Non, pas forcément. Pas forcément. Tu peux être une femme fatale dès le départ. Et tu peux être aussi une femme fatale dans ton foyer. C'est-à-dire que tu peux commencer à être une femme fatale. Ça va dépendre de comment est-ce que toi-même, tu vas te prendre. Ça va dépendre de comment est-ce que toi-même, tu vas te comporter dans ta relation. Parce que c'est ça. Vous comprenez? Donc, ne confondez pas. Aujourd'hui, le thème, c'est pas que pour les célibataires. C'est pour les femmes mariées. C'est pour les célibataires. C'est pour les femmes en concubinage. C'est pour les femmes fiancées. C'est pour tout type de femmes.
tout type de femme. Il n'y a pas de limite dans la séduction. Il n'y a pas de limite dans la femme fatale. Non. Toute sorte de femme devient fatale quand elle le veut. Quand elle adopte le comportement qu'il faut. Est-ce que vous comprenez un peu? Et en ce moment-là, cet homme-là, il devient accro. Il devient accro. Il est dehors, même c'est toi qui es dans sa tête. Parce qu'en fait, moi, c'est ça mon but. C'est ça mon but. Que vos hommes, vous soyez dans leur tête. C'est-à-dire, quand ils sont dehors, là, c'est vous qui êtes dans leur tête. Voilà. Moi, c'est ce que je veux. Parce que toi, une femme, quand tu es comme ça dans ta relation, tu es apaisé. Tu as une assurance en toi. Tu as confiance. Parce que tu sais que ton homme, même quand il sort, il n'a qu'à sortir comment. Mais tu es sereine, tu es tranquille. Parce que tu sais jouer ton rôle. Tu sais te comporter dans ta relation. Donc, tu sais que lui, là, c'est fini. Il est pour toi, il est dans ta main. Il mange dans ta main. Il mange dans ta main. Ah, il va aller dehors, mais il ne peut rien faire. Il va dehors, il ne peut rien faire parce que tu es une femme fatale. La femme fatale, c'est dans le caractère. J'espère que vous êtes en train de partager mes amours, mes hommes sûrs, mes femmes sûres. J'espère que vous êtes en train de partager. Vous avez compris, mes filles, mes chéries. Vous savez, la femme fatale, c'est celle-là qui a confiance en elle. Une femme fatale, elle a confiance en elle. Elle a une confiance absolue en elle. Vous allez remarquer que parfois, il y a des filles qui ne sont pas trop belles, qui n'ont pas un physique avantageux, mais elles sont fatales. Ça veut dire que les hommes sont dingues d'elles. Pourquoi? Elles ne sont pas belles, certes, mais elles ont le comportement. Elles ont du caractère. Elles ont de la personnalité. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Je dis, vous savez, une femme, elle doit avoir de la personnalité dans sa relation. C'est très important. Parce que toi, une femme, quand tu ne montes pas ton caractère dans ta relation, quand tu ne montes pas ta personnalité dans ta relation, en fait, tu es lisse, tu es plate. Tu es lisse, tu es plate. Le mec, il t'aime pas. Parce que tu n'es pas vrai. Parce que tu n'es pas vrai. Tu es en train de jouer un rôle. En fait, comme tu es trop amoureuse, comme tu n'as pas confiance en toi, donc, au lieu de montrer ta personnalité, au lieu d'avoir un comportement, d'être vrai dans ta relation, tu fais genre pour plaire au gars. C'est-à-dire que tu penses que c'est quand tu vas te comporter comme ça qu'il va plus t'aimer. Donc, c'est plus toi, en fait. Mais même s'il t'aime, c'est pas toi qui l'aime. Il va aimer une autre personne. Parce que tu es en train de jouer un rôle. Quand tu joues un rôle dans ta relation, un homme ne peut pas être accro à toi. Un homme ne peut pas être dingue de toi. Parce qu'il a besoin d'aimer une personne, la personne vraie. Et pour qu'il comprenne que tu es vrai, tu as de la personnalité, tu dois être naturel. Tu dois être naturel. Tu dois avoir du caractère. Tu dois dire non quand il le faut. Tu ne dois pas t'excuser pour rien. Parce que moi, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, vous savez, toi, une femme, quand tu es dans ta relation, ou même quand tu es dans ton foyer, tu ne t'excuses pas pour rien. Quand tu n'as pas tort, quand tu n'as pas fauté, tu ne t'excuses pas. L'homme, même s'il est fâché, après, il va se calmer. Parce qu'il se fâche, c'est juste des caprices. C'est juste des caprices. Mais toi, tu t'excuses pourquoi? Tu n'as pas tort. Tu n'as rien fait. Pourquoi tu t'excuses? Juste parce que tu as envie qu'il ne se fâche plus. Donc, tu es tout le temps en train de t'excuser. Ça veut dire que même quand tu n'as pas tort, tu es tout le temps en train de t'excuser. Et mais quand c'est comme ça, ça veut dire que tu es une femme qui n'a pas de personnalité. Tu es une femme qui n'a pas confiance en elle. Tu n'as pas de l'assurance. Parce que tu trembles en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas sereine dans ta relation. Tu es toujours en train d'être inquiète. Tu es toujours angoissée dans ta relation. Tu es toujours bizarre dans ta relation. Ça veut dire que tu n'as pas un comportement vraiment serein dans ta relation. Parce que tu t'es dit, mais si je me comporte comme ça, peut-être que mon chéri, il va se fâcher, il va partir. Mais si je me comporte comme ça, il va se fâcher, il va partir. Et finalement, tu es là, tu subis. C'est-à-dire que tu le suis comme ça, comme un mouton. Tu le suis comme un mouton. Il fait de toi ce qu'il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Ça veut dire que tu ne lui manques pas. Il n'a pas envie de passer des moments avec toi. Il n'a pas envie de partager des choses avec toi. Parce que tu n'as pas de personnalité. Parce que tu n'es pas une femme fatale. Moi, c'est ce que je vous dis, les femmes, dans votre relation. Les hommes, ils aiment être avec des femmes. Ils ont l'impression qu'elles sont inaccessibles. Quand je vous dis ça, vous ne comprenez pas. Vous savez, dans une relation amoureuse, faut pas essayer de comprendre l'amour comme toi, tu le veux. N'essaie pas de comprendre l'amour comme dans les films. N'essaie pas de comprendre l'amour comme dans les romans. Non, ça c'est les films, ça c'est les romans.
Vous comprenez, c'est des scénarios. Ce n'est pas du vrai. Parce que dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça l'amour se manifeste. Ce n'est pas comme ça la vie de couple. Ou bien, pour qu'un homme soit accro à toi, ce n'est pas comme ça se passe. Donc, quand on vous dit d'essayer d'être inaccessible, d'essayer d'être un peu dur, essayer d'avoir du caractère, vous ne voulez pas. Vous dites non, mais pourquoi est-ce que il faut avoir du caractère? Pourquoi est-ce que il faut adopter la technique du fuis-moi, je te suis? En amour, quand on est amoureuse, on doit manifester son amour, on doit exprimer son amour. Mais les hommes, ils n'aiment pas ça. Les hommes, ils n'aiment pas. Les femmes qui expriment trop leur amour, les femmes trop expressives, les hommes, ils n'aiment pas. Ça les fatigue un peu. C'est-à-dire, c'est étouffant. C'est étouffant. L'homme, il a envie de son espace. L'homme, il aime quand tu lui donnes son espace. Quand tu lui donnes son espace, lui-même, quand il est là comme ça, tu ne l'emmèdes pas, tu es dans ton coin, toi-même, tu prends du recul, c'est-à-dire que tu es dans du fuit, moi, je te suis. Vous êtes ensemble. C'est ton chéri. Vous êtes ensemble. Mais il a toujours l'impression que vous n'êtes pas ensemble parce que tu es dans ton coin, tu mets de la distance. Tu n'es pas de trop. Tu ne l'appelles pas pour ne rien dire. Tu ne lui envoies pas des messages pour ne rien dire. Tu restes un peu dans ton coin. Moi, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, vous savez, quand vous êtes dans votre relation, le matin, quand vous vous réveillez, ne vous sentez pas obligé d'envoyer le premier message à vos chéris. Ne vous sentez pas obligé d'appeler vos chéris. Laissez-les, ils vont le faire. Parce qu'un homme avec qui tu es, il faut qu'il t'appelle parce qu'il a envie de t'entendre. Il faut qu'il t'appelle parce que tu lui manques. Il faut qu'il t'envoie un message parce qu'il a envie de te lire. Mais si tu ne crées pas ce manque-là, et que toi, tu es toujours en train de faire le premier pas, c'est toi qui envoies toujours le premier message, c'est toi qui es tout le temps en train de l'appeler, mais ça ne va pas créer de manque. Et ça ne te rend pas femme fatale dans ta relation. Non. Parce qu'il rentre, dans l'habitude. Et il fait moins d'efforts. Et il est moins dans la séduction. Parce que c'est toi qui es tout le temps en train de faire. C'est toi qui es tout le temps en train d'aller vers lui. Non. Arrêtez ça. Ça veut dire que dans votre relation, moi c'est ce que je vous dis toujours. C'est ça la femme fatale. La femme fatale, elle sait prendre sur elle. Elle sait prendre sur elle. Parce que la femme fatale, elle a tellement confiance en elle. Elle a tellement de l'assurance que dans sa relation, elle n'est pas embrouillée. La femme fatale n'est jamais embrouillée dans sa relation. Même quand on lui met une alliance, elle a l'impression qu'elle n'est pas mariée. Ça, c'est une femme fatale. Parce qu'une femme fatale, dans sa tête, même quand elle est dans son foyer, elle est toujours l'amante de son homme. C'est ça, une femme fatale. Elle ne se dit pas que je suis une femme mariée, je suis une épouse, donc je dois me comporter comme ça. Non, la femme fatale, même quand elle est légalement mariée, elle se comporte comme encore une amante. Elle se comporte encore comme une petite amie. Et elle est dans la séduction. Et ça fait que la séduction, elle est naturelle. Parce qu'elle se dit toujours non, je ne suis pas une femme mariée, je suis avec lui, je dois toujours le séduire, je dois toujours lui montrer que je suis inaccessible, il doit toujours baver derrière moi, il doit toujours avoir l'impression qu'il ne m'a pas, je ne suis pas acquise. C'est ça une femme fatale. C'est ça une femme fatale. Dans ta relation, toi la femme, quand tu n'as pas peur, quand tu es sereine, automatiquement l'homme ça le rend dingue. Les hommes ils aiment ça, ils aiment paniquer, ils aiment le doute. Voilà, ils aiment le doute. Ça fait que toi, la femme fatale, même quand tu dois sortir, ton homme, il est mélangé. Ton homme, il est tout le temps en train de s'inquiéter. Il a toujours peur. Ça fait que quand tu sors, il peut t'appeler 10 000 fois pour dire, mais bébé, tu rentres à quelle heure? Tu es où? Tu es où? Depuis que tu es sorti, là, tu ne rentres pas. Tu rentres à quelle heure? Allô? Tu es là? Mais tu es où? Tu fais quoi? Ça veut dire que quand tu es dehors, il est toujours en train de t'appeler, toujours en train de t'envoyer un message. C'est ça la femme fatale. C'est ça la femme fatale. Parce que cette femme-là, elle a son espace et elle lui laisse son espace. Et elle lui montre qu'elle n'a pas peur de le perdre. Elle lui montre qu'elle a confiance en elle. Ça veut dire que si ce n'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des femmes qui pensent qu'une femme fatale, c'est celle-là même qui a une bombe au lit. Non. Tu peux être une bombe au lit et tu n'es pas une femme fatale. Tu peux être la femme la plus forte au lit. C'est-à-dire que quand tu prends ton homme, tu l'emmènes au septième ciel. Tu le rends dingue dans le lit, dans votre intimité. Mais ça ne fait pas de toi une femme fatale. Tu peux être une femme très belle, qui est sollicitée, que tous les hommes draguent, que tous les hommes regardent.
tous les hommes te trouvent canon. On parle de toi, on parle de ta beauté. Mais ça ne fait pas de toi une femme fatale. Parce que oui, c'est vrai, tu es belle. Tous les hommes te courent après. Tous les hommes veulent de toi. Tout le monde parle de ta beauté. Mais est-ce que tu es une femme fatale? Est-ce que tu as le caractère qui va avec? Est-ce que tu as de la personnalité? C'est ça, la femme fatale. Donc ne confondez pas les choses. Mes chéris, soyez sereines dans votre relation. Laissez les hommes venir à vous. Vous savez, la femme fatale, c'est celle-là même qui reste avec l'homme et qui arrive à le séduire. Elle le séduit, ça veut dire que le mec, il est excité. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes sœurs, à mes jeunes sœurs, à mes grandes sœurs, à mes copines, je leur dis toujours, je dis, vous savez, quand vous êtes avec vos hommes, ne pensez pas que si vous êtes en train de flirter, vous devez forcément passer à l'acte. Non. Parce que c'est ça la femme fatale. En fait, elle pousse les limites. Tu peux être avec ton homme, tu peux être avec ton chéri. Vous allez flirter, vous allez vous embrasser, vous allez vous amouracher. Mais ce n'est pas pourtant qu'il va t'emmener au là-là. Ça veut dire quand il veut rentrer, tu lui dis non, chéri. Non, je ne suis pas disponible. C'est ça. Ça veut dire que toi-même, la femme, tu es dans la séduction. Mais à l'extrême. Ça veut dire que toi-même, tu es en train de flirter avec l'homme, ton chéri, ton copain, ton fiancé, ton homme. Tu es en train de flirter avec lui. Tu sens qu'il est dressé. Il est dur comme ça. C'est droit, c'est dur comme ça en bas de, dans son pantalon. Toi-même là, en bas là-bas là, c'est mouillé. On sait. Mais c'est ça une femme fatale. C'est dit que tu sais, tu as le contrôle. Tu prends le contrôle sur tout. Tu es tout terrain. Quand tu veux que ce jour-là, tu veux l'emmener dans la séduction. Tu veux l'exciter au maximum et ne pas passer à l'acte. Ce contrôle-là, quand tu arrives à faire ça, c'est ça une femme fatale. Parce qu'une femme qui n'est pas fatale, elle ne peut pas. C'est-à-dire qu'elle, quand elle est en train de flirter avec son homme, si elle est excitée, que cet homme est excité, forcément, il passe à l'acte. Ça veut dire qu'il s'emmène au là-là. Ça, ce n'est pas une femme fatale. Une femme fatale, c'est celle qui sait se maîtriser. C'est-à-dire que l'homme, tu l'emmènes à un niveau. Et puis, tu lui dis, non, chérie, ce soir, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas bien, je me menstrue. J'aimerais que ce soit. Ou bien, non, je ne me sens pas bien, j'ai mal au bas-ventre, chérie. Non. Ça va attendre. Ça veut dire que là, tu restes avec ton chéri. Il va te laisser. Il va rentrer chez lui. Il va rentrer chez lui. Tout excité. Tout excité. Son bas-ventre est gonflé comme ça. Ses nerfs sont dressés. Parce que tu as enlevé. C'est-à-dire que tu l'as excité, mais au maximum. Mais tu n'es pas passé à l'acte. Tu n'es pas passé à l'acte. Faut le laisser rentrer. T'inquiète pas. Parce que c'est ça le problème des femmes aujourd'hui. En fait, elles sont tellement dans la peur de perdre. Elles sont tellement dans la peur de perdre qu'elles perdent même leur personnalité. Elles ne sont pas fatales. Elles se disent que ben, si je suis en train de flirter avec mon chéri, s'il est excité, il faut que je lui donne. Parce que si je ne lui donne pas, il va le donner à une autre. Non, mes chéris, ne voyez pas ça. Ne voyez pas ça. Parce qu'il faut être une femme fatale. C'est ce qui met la différence entre les femmes. Sinon, le sexe là, c'est tout pareil. On est toutes pareilles. On a toutes le même truc. Mais qu'est-ce qui met la différence entre les femmes? Qu'est-ce qui fait que certaines femmes rendent des hommes dingues? Qu'est-ce qui fait que certaines femmes, elles sont fatales? C'est dans leur façon de se contrôler. C'est dans leur façon de se comporter. C'est ça. Sinon, si c'est pour passer à l'acte, tout le monde passe à l'acte. Mais qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas être spécial? C'est-à-dire que qu'est-ce qui met la différence entre toi et toutes ces filles-là, toutes ces nanas-là? C'est ta façon de te comporter. C'est le contrôle que tu as dans ta relation. Le contrôle que tu as sur ton homme. C'est ça. Quand il est excité, laisse-le rentrer. Ne te dis pas que si je le laisse comme ça, tout excité, il va aller dans les bras d'une autre femme. Ce n'est pas un problème ça. Ce n'est pas un problème. Parce que vous savez quoi? Tu peux lui donner là, là. Et puis, les minutes ou même les heures qui vont suivre, il va aller voir une autre femme. Ça, ça ne veut rien dire. Donc, ce n'est pas parce que tu vas lui donner que ça va l'empêcher d'aller voir une autre nana. Tu peux lui donner et il va aller voir une autre nana. Mais c'est dans ta façon de te comporter. C'est-à-dire que quand tu ne lui donnes pas et puis il s'en va, même s'il allait voir une autre nana pour se vider le bas-ventre, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas le même goût. Ce n'est pas la même intensité. Parce que celle qu'il allait voir, elle, tout de suite, elle s'est donnée cadeau, vite fait. Pensant que c'est quand elle va faire ça que cet homme-là va l'aimer. Mais toi qui n'as pas donné là, toi qui l'as laissé partir là, mais quand il finit de vider son bas-ventre, il est chez lui, quand il ferme ses yeux, c'est ton image qui est là. Quand il est en train de conduire, c'est ton image qui est dans ta tête. Parce qu'il se dit, mais cette fille-là, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle a confiance en elle?
Mais ce jour-là est dangereux. Hein? Elle compte sur quoi même? Elle compte sur quoi même? Ah, non, mais la fille, là, mais elle ne la comprend pas. Mais la femme, là, je ne la comprends pas. Mais elle me prend d'une façon, elle a une façon de se comporter. Là, mais je ne comprends pas. C'est quel genre de fille, ça? Moi-même, là, c'est-à-dire que je gagne les filles facilement. Moi, je gagne les filles facilement. Moi, je suis un beau gosse. Moi, j'ai l'argent. Moi, je suis comme ça. Je suis un footballeur. Je suis un artiste. Je suis une star. Donc, moi, les femmes ne me résistent pas. Mais elle, pourquoi est-ce qu'elle me résiste? Comment est-ce qu'elle fait pour jouer avec moi comme ça? C'est ce qui met la différence. C'est ce qui fait que vous voyez des personnes célèbres, des stars, des personnes milliardaires, mais qui arrivent à se marier, qui sont fous, dingues de certaines femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont de la personnalité. Parce que ces femmes-là, elles ont de l'assurance. Parce que ces femmes-là, c'est des femmes fatales. C'est ça. C'est ce qui met la différence. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Je dis, vous savez, quand vous êtes dans votre relation, ne cherchez pas simplement à ce que vos hommes soient simplement amoureux de vous. Parce que dans toutes les relations, pratiquement les relations classiques, l'homme, il est amoureux. L'homme, il est amoureux. Maintenant, toi, la femme, dans ta relation, n'attends pas que, ne cherche pas que ton homme soit simplement amoureux. Ton homme, il doit être digne de toi. Ton homme, il doit être fou de toi. C'est ça, la femme fatale. C'est-à-dire que la femme fatale, elle ne se limite pas à juste l'amour. Elle va plus loin. Elle rend l'homme accro. Elle rend l'homme fou. Elle rend l'homme dingue. Il perd son contrôle. C'est ça, la femme fatale. C'est ce qui lui fait plaisir. Et c'est ce qui met la différence. Et c'est ce qui met la différence. Faut vous calmer dans vos relations, mes chéris. Il faut vous calmer dans vos relations. Quand on vous dit des choses, vous avez l'impression que c'est très difficile ce qu'on vous dit. Mais ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. On vous dit ça pour que dans votre relation, vous soyez respecté. On vous dit ça pour que dans votre relation, vous soyez vraiment aimé. Vous soyez considéré. Parce qu'il faut savoir qu'un homme, quand il est avec plusieurs femmes, celle qui le rend dingue, c'est celle qui est spéciale. Ça veut dire que quand il est avec toi, il a l'impression que tu es unique sur cette terre. Il peut même fréquenter 5-6 filles. Mais toutes ces filles-là, elles se ressemblent. Mais toi seul, tu es spécial, tu es unique. Parce que tu as une façon à toi. Tu as de la personnalité. Et c'est ce qui fait qu'il devient fou de toi. Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Ne soyez pas ce genre de nana-là. Comme tout le monde, non, non, non. Vous soyez des femmes spéciales. Soyez des filles spéciales. Ne ressemblez pas à tout le monde. Ayez votre personnalité. Ayez votre caractère. N'ayez pas peur de perdre. N'ayez pas peur de perdre. Parce que quand tu as peur de perdre, ça t'enlève toute séduction. Ça t'enlève tout le côté assurance. Et tu deviens, tu perds le contrôle. Et tu subis dans ta relation. Tu subis dans ta relation. Arrêtez de subir dans vos relations. Les hommes, ils sont bizarres. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, les hommes, ils sont bizarres. Parce qu'il y a des femmes qui disent, mais c'est bizarre, une femme normalement, une femme qui est très amoureuse, une femme qui montre son amour, une femme qui appelle tout le temps son chéri, une femme qui appelle tout le temps son mari, qui est tout le temps en train de prendre les nouvelles de son mari. Normalement, c'est cette femme-là qu'un homme, l'homme doit aimer parce que c'est une femme qui exprime son amour, c'est une femme qui montre qu'elle est amoureuse. Non, 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 non. C'est vrai, ça c'est ce que vous dites. Mais en amour, ça ne marche pas. En amour, ça ne marche pas. Parce que si vous remarquez, parfois vous voyez un homme, il est avec deux nanas. Et celle-même, il est fou d'elle là. Elle-même là, elle ne ressemble à rien. Ça veut dire qu'elle n'est pas la plus belle entre les deux nanas là. Mais la plus belle là, elle là, on ne l'aime pas. Elle n'est même pas aimée. Elle n'est même pas considérée. Le gars même n'a même pas envie de la voir. C'est-à-dire toujours quand il lui dit on va être ensemble, il dit non. Il dit oui, mais au dernier moment, il dit non, j'ai des trucs à faire. Mais il est toujours derrière la vilaine là. Celle que vous trouvez vilaine là, il est toujours derrière elle. Il est collé comme ça à elle. Vous êtes là, vous dites, non, mais la fille là, non, non, elle a bassé, c'est pas simple. Ça c'est basse ça. Sinon, quand vous regardez, tu regardes son modèle là. Son modèle là, est-ce que celle-là, garçon comme ça, la peut l'aimer? Mais c'est ça, parce qu'elle là, oui, elle n'est pas belle, mais elle est fatale. Elle est fatale. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui met la différence. C'est ce qui met la différence. Soyez des femmes fatales. Ne vous limitez pas à votre physique. Ne vous limitez pas à votre physique. Le physique, c'est ce que je vous dis toujours. Le physique, je dis que l'homme, quand il vient vers toi, quand c'est la première fois, c'est ton physique qui l'intéresse. Il est émerveillé par ton physique parce que c'est un début. Mais arrivé à un certain moment, ton physique, il ne voit plus. Il ne voit plus ton physique.
Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils cherchent maintenant? C'est ta personnalité. Qu'est-ce qu'ils cherchent maintenant? C'est ton caractère. C'est comment tu te comportes. Comment est-ce que tu es? Comment, quelle assurance tu as? Ta façon de le prendre, ta façon de te comporter, c'est ça. C'est ce qui fait qu'il devient dingue. Ton physique, il ne voit même plus. Il y a des femmes, elles sont tellement peau de colle. Il y a des filles, elles sont belles. Elles sont d'une beauté. Elles ont une plastique de rêve. Un plastique, non, une plastique, ouais. Non, c'est la plastique, une plastique. C'est ça, non, la plastique. Bon, c'est quand je suis, c'est plastique. De rêve. Tu la regardes, tu dis yes. Voilà forme, voilà taille, voilà visage. Mais elle, à chaque fois qu'elle est dans une relation, elle subit. Le mec, il n'est pas fou d'elle. C'est elle qui est toujours en train de pleurer. Pourtant, quand tu regardes la fille, là, tu te dis non, ça, c'est la femme de mes rêves, ça. Celle-là, si j'ai femme comme ça, là, je ne sors plus. Mais femme comme ça, là, quand elle est dans une relation, là, on ne l'aime pas. Parce qu'elle est belle, mais elle n'a pas de personnalité. Elle est belle, mais elle n'a pas de caractère. Elle est belle, mais dans sa relation, elle est de trop. C'est-à-dire que c'est un pot de colle. Elle est collante. Elle est trop jalouse. Elle fait trop de reproches. La femme fatale ne fait pas ça. La femme fatale, elle ne se plaint pas pour rien. Elle ne fait pas trop de reproches. La femme fatale, elle ne fait pas des jalousies inutiles. Elle a tellement confiance en elle. Elle a tellement confiance en elle qu'elle peut te voir avec une femme, mais elle est sereine. Elle est sereine. C'est-à-dire que sa façon même de réagir, là, toi, l'homme même, tu es déstabilisé. Tu es mélangé, tu es la fille, là, et puis tu es mélangé. C'est toi-même qui viens, la fille, là, et puis tu fais la présentation. Même si la fille, là, tu couches avec elle, mais ce jour-là, tu vas dire, c'est une camarade. Tellement que la femme fatale est sereine. Tu viens avec la fille, et puis tu dis, oui, c'est ma chérie, c'est ma femme. Bon, bébé, c'est ma camarade, hein. C'est une copine, là, une camarade, là. Pourtant, il agrée. Mais c'est parce que tu es trop fatale. Parce que tu es trop sereine. En fait, tu ne réagis pas n'importe comment. Tu as le contrôle sur tout. Tu as le contrôle sur tout. Il a l'impression que tu n'es jamais jalouse. Il n'arrive pas à maîtriser tes sentiments. Il ne sait pas si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Il ne sait pas si tu es folle de lui ou pas. Il est là, il doute de tes sentiments. C'est ça une femme fatale. Parce qu'une femme fatale, quand elle est dans sa relation, quand elle est dans son foyer, son homme ne doit pas dire, se doit pas taper sa poitrine pour dire celle-là, elle est dingue de moi. Celle-là, elle va aller où? Celle-là, elle va aller où? C'est pour moi. C'est quand je veux, comme je veux. J'ai fait d'elle ce que je veux. Un homme ne doit jamais dire ça de toi quand tu es dans ta relation. Voilà pourquoi je dis toujours aux femmes, je dis quand vous êtes dans votre relation, quand vous n'avez pas tort, quand vous savez que vous n'avez pas fauté, quand l'homme, il vous fait des menaces, laissez-le partir. Un homme avec qui tu n'as rien fait, qui est tout le temps en train de te menacer, qui est tout le temps en train de chercher des prétextes pour te dire je m'en vais, je vais te quitter, je m'en vais. Ne pleure pas, ne le retiens pas, laisse-le partir. Faut le laisser partir. C'est saine femme fatale. Tu as envie de partir, faut partir. C'est ta façon de le laisser partir, ta façon de l'ignorer. Tu vas pleurer. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes. Je dis, vous avez le droit de pleurer. Mais une femme ne pleure pas devant son homme. Une femme ne pleure pas devant son chéri. Non. Quand tu pleures devant un homme, tu deviens faible. Tu n'es plus fatale. Tu deviens une femme faible. Ça veut dire que tu es acquise. Tu lui donnes l'impression d'être acquise parce que tu pleures trop. Et quand tu pleures, c'est comme si tu faisais pitié. C'est comme si tu étais en train de demander pardon. Tu avais peur qu'il parte. Donc, tu le suppliais pour qu'il reste. C'est pour ça que tu pleures. Une femme fatale, elle ne pleure pas devant son homme. Il veut partir, laisse-le partir. Tu peux pleurer seul dans ta chambre, dans ta douche. Pleure, ma chérie. Les pleurs, là, ça ne tue pas. Au contraire, ça soigne le cœur. C'est ça, une femme fatale. Elle sait prendre sur elle. Et une femme fatale, moi, c'est ce que je dis toujours aux filles. Je dis, vous savez, vous êtes belle, 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 belle. Mais souvent, là, on ne vous regarde pas. On ne vous prend pas au sérieux. On ne vous met pas en haut, en haut. Ça veut dire que la valeur que vous avez là, on ne vous prend pas comme ça. On vous prend toujours moins que ça, alors que vous méritez mieux. Pourquoi? Parce qu'une femme fatale, elle doit être cultivée. C'est très important. La femme fatale, elle doit être cultivée. Ça veut dire que c'est une femme, quand on aborde un sujet, elle sait quoi dire. Elle est informée, elle est cultivée. Ça veut dire qu'elle suit les informations, elle suit un peu les actualités, elle sait ce qui se passe dans ce monde, elle sait ce qui se passe dans son pays. C'est ça, une femme fatale. Parce que quand tu es avec un homme et qu'il aborde un sujet, tu dois être à mesure de parler, de converser avec lui, de parler de ce sujet. C'est ça, une femme fatale. Mais tu es une femme, tu es belle, tu as tout, ma chérie. Mais c'est-à-dire que ton chéri, quand il veut parler avec toi, là, quand il veut causer,
S'il est en train de parler de la situation du Gabon, s'il est en train de parler de la situation de la France avec les gilets jaunes, toi, tu es perdu. Tu es belle, hein, mais tu es perdu. Hein? Les gilets jaunes, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est où, ça? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Moi, je ne sais pas, hein? Ça veut dire que toi, tu n'es pas informé de quelque chose. Tu n'es pas cultivé. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans la vie, dans le monde. Tu ne sais rien. Toi, ce que tu sais, là, c'est le dernier morceau d'Arafat qui vient de sortir. Ou le dernier morceau de DJ de Bordeaux qui vient de sortir là. C'est ça que tu connais. Ou bien les dernières boîtes. C'est-à-dire que les boîtes qui font mal en ce moment là. Toi, c'est ce que tu connais. Le show là. Ce qui se passe dans le show. Ou bien le dernier sac Dior qui vient de sortir. Ou bien le dernier sac Hermès qui vient de sortir. Toi, c'est ce que tu connais. Mais quand on veut t'emmener sur un autre terrain, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es jolie, mais on ne peut pas parler avec toi. Tu es jolie, on ne peut pas parler, on ne peut pas converser avec toi. Parce que dans ta tête, il n'y a pas assez de richesse. Parce qu'en fait, tu ne te renseignes pas, tu ne lis pas. Tu peux ne pas lire, mais tu peux quand même suivre les informations. Tu peux suivre les actualités. Ça te permet d'avoir beaucoup dans la tête. C'est très important. C'est ce qui met la différence entre les femmes. C'est ce qui met la différence entre les femmes. Les hommes, ils adorent les femmes cultivées. Je ne vous parle pas des hommes... Je vous parle des vrais hommes. Les hommes, ils aiment les femmes cultivées. Ils aiment les femmes qui en ont dans la tête. Ça veut dire qu'ils savent beaucoup de choses. Pour savoir beaucoup de choses, toi, la femme, tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 10. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Ça n'a rien à voir avec le niveau intellectuel. C'est juste la curiosité. C'est juste lire parfois des informations. C'est juste regarder la télé. Ça veut dire que quand tu mets la télé là, c'est pas seulement les films brésiliens là, tu regardes. Ou bien c'est pas seulement les émissions où on parle des artistes là, tu regardes, non. Tu vois aussi, tu regardes parfois les documentaires. Tu regardes parfois les informations. C'est important. Parce que quand il y a information là, vous enlevez, vous zappez, vous mettez un autre film. Vous regardez des films seulement. Quand vous êtes devant la télé, c'est films seulement qui vous intéressent. Quand vous êtes devant la télé, c'est les émissions seulement qui vous intéressent. Mais les informations, ça ne vous dit rien. Les documentaires, ça ne vous dit rien. Les débats, ça ne vous dit rien. Vous, pour vous, c'est pas votre monde ça. Mais ça, c'est important. C'est important. C'est ça une femme fatale. Elle doit savoir. En fait, elle doit être prête sur tous les terrains. Sur tous les terrains. Voilà. C'est ça une femme fatale. La femme fatale, c'est celle-là même qui sait comment se tenir. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que tu es une fille, tu es une femme, tu es belle, tout. Mais tu, dans ta façon même de te comporter, dans ta façon de marcher, quand tu marches même, on ne sent pas l'assurance. Il n'y a pas d'assurance quand tu marches. Quand tu es en train de parler, tu ne donnes pas envie à celui qui t'écoute de t'écouter pendant 10 minutes. Parce que quand tu commences à parler, les 30 secondes là, la personne même est fatiguée de t'écouter. Parce que ta façon même de t'exprimer, on ne sent pas de l'assurance quand tu parles. Une femme fatale, quand elle parle, elle donne envie de l'écouter. Parce qu'elle sait ce qu'elle dit. Et quand elle parle avec assurance. Elle s'impose. Elle veut qu'on l'écoute. Elle fixe dans les yeux. Le regard qui est là, moi c'est ce que je vous dis, vous les femmes. J'ai dit, vous êtes là, vous fuyez les gens du regard. Une femme fatale, quand elle s'adresse à une personne, elle fixe cette personne à du regard. Parce que le pouvoir se passe ici. Dans le regard, tout se passe. Donc quand tu es en train de parler là, à ton chéri, il faut le fixer. Montre-lui que tu as de l'assurance, tu as confiance en toi. Quand tu es en train de marcher, marche avec assurance. Il faut qu'on sente que tu es fière de toi, tu as confiance en toi. Tu n'as pas peur, tu es une femme, tu as confiance en toi. Donc, dans ta façon même de te tenir, on doit sentir ça en toi. C'est important. C'est très important. Dans ta façon même de faire les choses, on doit savoir que tu es une femme de confiance. Tu es une femme qui sait ce qu'elle veut. Une femme fatale, c'est une femme qui ne néglige rien sur sa personne. Sur sa personne, là, elle néglige rien. Elle est entretenue. Oui, c'est important. Elle est très entretenue. Elle prend soin d'elle. Ça, c'est une femme fatale. Elle sait prendre soin d'elle. Elle sait soigner son look. Parce que quand on vous dit être, savoir s'habiller, être sexy, être chic, vous pensez que c'est être vulgaire. Parce que ne confondez pas. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas. Donc, quand ils voient une femme sexy, une femme qui s'assume, qui est fière d'elle, elle est mariée, mais elle est fière d'elle. Elle a confiance en elle. Alors, elle ne se dit pas, parce que je suis mariée, je dois être toujours en complet paille.
Je dois toujours porter les morceaux, les pagnes, les ensembles pagnes là, non. Une femme fatale, même quand elle est mariée, elle doit varier son style vestimentaire. Elle doit varier son style vestimentaire, c'est très important. Il y a des gens qui ne connaissent rien de la vie, qui sont là, pour eux, une femme fatale, elle ne doit pas être sexy. Ne pas confondre être sexy et être vulgaire. Ne pas confondre, parce que les gens, ils confondent. Quand tu es sexy, il y a des gens, comme ils sont arriérés, ils sont sans style, ils ne sont pas ouverts. Ils disent, elle est vulgaire. Non, ne confondez pas. Il y a être sexy et il y a être vulgaire. Une femme sexy, c'est une femme fatale. Parce qu'en fait, elle est fière de ses atouts. Elle est consciente de ses atouts. Elle sait ce qu'elle a. Elle sait faire ressortir ses atouts. C'est ça une femme fatale. Alors les gens qui ne comprennent pas, ils disent, elle est vulgaire. Elle est mariée et puis elle s'habille comme ça. Ne vous occupez pas de ces personnes-là. Ça, c'est des personnes arriérées. C'est des personnes qui sont fermées. Des personnes coincées. Mais les femmes qui font ça, ce sont ces femmes-là qui rendent leur mari dingue. Elles rendent leur mari fou. Voilà. Parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est comment est-ce que ton homme est dans la relation. C'est ça. Sinon, le jugement des gens dehors, tu t'en fous. Tu t'en fous. Voilà. Parce que tu peux t'occuper du jugement des gens dehors et puis tu es toujours en complet panne. Ton habit, tu portes, ça arrive jusque là. Mais dans ton foyer, ton mari ne t'aime pas. Ton mari n'est pas dingue de toi. Il n'est pas fou de toi. Voilà, parce que quand il rentre à la maison, c'est toujours la même tête qu'il voit. Quand tu t'habilles, c'est toujours le même style vestimentaire qu'il voit. Mais il n'est pas dingue de toi. Il sort, il va dehors. Pourquoi? Il va regarder sexy là. C'est sexy là, il l'aime, il va regarder dehors. Mais toi, comme tu penses que tu es femme mariée là, tu es toujours barricadée là. Tu es dans ton foyer là, tu penses que comme quand tu sors, les gens te jugent bien. Ah, ça c'est une bonne femme. Et quand elle s'habille là, elle cache tout son corps. Nani nanana. Oui, ça c'est ce que les autres disent. Mais il a dit, toi-même tu es dans ta réalité, dans ton couple. Toi-même dans ton couple là, tu es dans ta réalité. Ah ah, c'est ça. Ton homme là, tu dois le rendre dingue. Dingue. Tu dois le rendre fou. Tu dois le rendre, mais malade. Et pour le rendre malade là, c'est ta façon de t'entretenir, c'est ta façon de t'habiller, c'est ton style vestimentaire, il doit être corrigé. C'est très important. Ça veut dire qu'une femme fatale, elle se connaît. Elle se connaît, elle sait ce qui lui va, elle sait ce qu'elle doit porter. Elle sait ce qu'elle doit mettre pour faire ressortir ses atouts. C'est ça une femme fatale. Mais une femme qui n'est pas fatale, elle ne se connaît pas. Elle s'habille n'importe comment. C'est-à-dire qu'elle porte des habits qui ne lui vont pas. Parce que ça ne va pas avec sa forme. Mais elle n'est pas fatale. Donc, elle s'habille parce qu'il faut s'habiller. La femme fatale, non. Tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Tout est soigné. Oui. C'est ça la femme fatale. La femme fatale, quand elle est dans son intimité. Quand elle est dans son intimité. L'homme, même pour la voir, il doit un peu... souffrir. C'est ça la femme fatale. Parce que la femme fatale, elle n'aime pas les trucs qui l'ennuient. Tu lui donnes l'impression qu'on est dans la routine, qu'on est dans l'habitude. La femme fatale, elle n'aime pas. Parce que ton mari, tu es avec ton mari, tous les jours, il veut de toi, tu t'écartes. Il fait ce qu'il veut. Et puis il descend. Mais ça, c'est comme ça tous les jours. Mais tu n'es pas une femme fatale. Ton mari dans ton intimité là, ton chéri dans ton intimité là, quand il veut de toi là, il n'a qu'à souffrir un peu. Il n'a qu'à souffrir un peu. Parce que c'est ça. Si toi, la femme, tu dis, non, j'ai peur. Si je ne donne pas à mon mari, si je ne lui donne pas aujourd'hui, demain, il va aller dehors. Il n'a qu'à aller dehors. Il n'a qu'à aller dehors. Ah! Aller dehors, là, c'est ça qui est quoi? Ça, c'est rien du tout. Aller dehors, là, c'est rien du tout. C'est la peur qui fait que vous pensez qu'aller dehors, là, c'est ça qui est quelque chose. Ton homme, quand il a envie de toi, là, dans ton lit, là, avant que tu lui donnes, là, faut qu'il souffre un peu. Faut que tu lui dises un peu que tu n'as pas envie. Même si tu as envie. Même si en bas là-bas là c'est gâté. Mais il faut lui donner l'impression que tu n'as pas envie. Il n'a qu'à galérer un peu. Quand il galère un peu là. Et puis il te prend là. Dans le lit là. Il a envie de te manger. Il a envie de te manger. C'est ça la femme fatale. Oui. Quand il finit même il descend là. Lui-même il dit. Tu me fatigues d'être. Chérie. Tu me fatigues d'être. Tu es ma femme même. Mais tu fais on dirait même tu n'es pas ma femme. Pour te prendre la même, je dois te demander pardon jusqu'à... Oui, c'est ça la femme fatale. Parce que vous savez, la femme fatale, elle sait ses limites. Elle sait ses limites. C'est-à-dire qu'elle fait baver son homme, mais elle connaît ses limites. Elle sait à quel moment elle doit arrêter. Voilà. Parce que tu es une femme fatale, mais il ne faut pas frustrer ton homme non plus. C'est-à-dire que quand tu vas dans l'exagération, tu frustres ton homme. Et ça, ce n'est pas bien. C'est-à-dire que la femme fatale, elle a le contrôle. Elle sait à quel moment elle arrête.
Vous savez, sa séduction, c'est ça. Donc l'homme, quand tu le fais baver comme ça, et puis tu lui donnes, quand il est sur toi, il a l'impression que tu n'es pas la même. Il a l'impression que tu n'es pas la même. Parce qu'à chaque fois, pour ta voix là, il a une façon de te reconquérir. Il a une façon de vouloir te supplier et tout. Donc quand il t'a, il te dévore. Ton goût est différent. Ton goût est différent. Les femmes fatales, quand leurs hommes ont des relations avec elles dans leur intimité, ils ont toujours l'impression que ce n'est pas le même goût. Ce n'est pas le même goût. Oui, pas. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes là. J'ai dit, en bas là, c'est la même chose. Pour nous tous là, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui fait que ça devient doux? Qu'est-ce qui fait que ça change? C'est ta façon de faire là. C'est ce qui met la différence. Hein? Sinon, c'est le même trou. Hein? C'est le même trou. C'est vrai qu'il y a plus gros, il y a gros, il y a moins, il y a petit, mais ça dépend aussi. Mais en tout cas, c'est le même goût là qui est dedans. C'est le même goût là qui est dedans. C'est ce qui fait que ton homme là, il s'ennuie jamais. Il a toujours envie de toi. Parce qu'à chaque fois, il a l'impression que tu n'es pas accessible. Il a l'impression qu'il doit galérer pour t'avoir. Alors que tu es sa femme, tu es son épouse, il t'a mis une alliance. Ou bien il t'a doté. Tout le monde sait que c'est pour lui. Mais dans votre intimité, tu lui montres que non, je ne suis pas pour toi totalement. Non, je ne suis pas pour toi totalement. Et puis c'est ça. Quand il se réveille matin là, quand tu lui donnes, là, puis matin il se réveille là, il est content. Quand il sort là, il t'amène un petit cadeau. Il est content, mais il va t'appeler 10 fois. Oui. Ah, la femme fatale? Non. Elles sont trop fortes, les femmes fatales. Elles sont fortes. Elles ont ce secret là. Elles ont ce secret. Elles connaissent les hommes. Elles comprennent les hommes. Parce que c'est ça. Il faut connaître l'homme. Il faut comprendre l'homme. Quand tu comprends l'homme, tu connais l'homme. Tu es une femme fatale. Et à tous les coups dans tes relations, ton homme, dans ta relation, ton homme, il va être fou de toi. Ton homme, il va être digne de toi. C'est ça. Quand ton homme a envie de toi, s'il a envie de toi aujourd'hui, là, dans votre lit, là, dans votre maison, là, tu peux lui dire non. Même si tu vois que c'est dressé, ma chérie, faut pas lui donner. Faut pas lui donner. Faut dire tu es fatigué. Dis je suis fatigué. Lundi, la folie dit tu es fatigué. C'est bombé en bas de lui comme ça. Ça bat comme ça. Faut le laisser dormir. S'il veut même, faut pas, il va dormir. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est-à-dire que tu as fait ça la nuit là. Et puis le matin. Le matin, c'est toi-même qui fais la surprise. Parce que moi, c'est ce que je vous dis. La femme fatale, elle est toujours dans la surprise. Elle aime surprendre son homme. Ça veut dire qu'elle n'aime pas tout ce qui est préparé. Ça, c'est la femme fatale. Parce que quand elle est dans tout ce qui est préparé, elle a l'impression que ce n'est pas doux. Elle aime être spéciale. Elle fait tout ce qu'elle fait, c'est spécial. Tout ce qu'elle fait, c'est à part. Donc, le fait qu'ils disent que j'ai envie de toi, on va faire. Là, quand tu dis non, là, il est découragé, ton homme. Il dort. Faut pas t'inquiéter. C'est pas pour ça qu'il va pas t'aimer. Ou même c'est pas pour ça qu'il va aller dehors. Faut te calmer. C'est pour ça que je dis la femme fatale, elle connaît ses limites. Ça veut dire que ton chéri, il est en train de dormir. Ton mari, là, tu as refusé la nuit. Tu dis tu es fatigué. Non, il est en train de dormir. Et puis tu attends. Le matin comme ça, avant d'aller travailler, avant de te lever pour vaquer à tes occupations, là, où il est en train de ronfler comme ça, là. Et puis tu viens vers lui. Toi, tu viens à côté de lui. Et puis ton corps, là, tu commences à frotter comme ça. Tu commences à frotter sur lui comme ça. Ses fesses, tes fesses, là, tu rends ça long comme ça. Tu vas lui donner là-bas. Il commence à dormir. Tu vas voir, il va commencer à se retourner. Il va se bouger comme ça. Oh, faut me laisser dormir. Je suis fatiguée. Faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. Par elle, là, c'est toi qui as le contrôle. Faut pas l'écouter. Faut continuer. Prends ta main, là. Prends le bijou. Commence à jouer le bijou. Le bijou, là, commence à caresser le bijou. Même pas 30 secondes, le bijou sera très dur. Oui, le bijou sera très dur. Pendant le bijou là, mange un peu ça. Faut manger le bijou. Oui, ils aiment ça. Quand il est en train de dormir comme ça, parce que nous les femmes là, quand tu dis à une femme, le matin, faut supporter ton mari, faut prendre le bijou, tu as mangé le bijou là. Elles disent, mais le matin là, il y a salive dans notre bouche. Oh. Ben, nous les Africains là, c'est comme ça. Oh. Nos nourritures qu'on mange là, nos sauces qu'on mange là, c'est tellement dangereux. Que quand tu dors là, la nuit, là, ouais, il salive la caracha dans ta bouche comme ça. Donc, on ne peut pas te dire, le matin, là, il faut te réveiller à 5h, 6h, 3h, 7h du matin, là. Tu as descendu la cave, tu as dit, mais elle salive qui est dans ma bouche, là. Donc, tu as te lever d'abord, aller dans la douche. Aller tout enlever, tout là, déposer dans un WC là-bas. Nous, les Noirs, c'est comme ça. Oh. Donc, ça fait que les femmes, quand tu leur dis, au réveil comme ça, il faut surprendre ton mari, elles se disent, ah, elle salive qui est dans ma bouche, là. Ma chérie, il faut laisser ça, ça, c'est rien. Si tu veux, faut te lever, va enlever salive là, va cracher salive dans la douche là-bas.
dans la douche, dans le levier, dans le vaisselle, mets sa livre là-bas, puis viens. Comment ça? Tu manges ça. Faut manger ça. Quand tu finis de manger là, faut pas attendre qu'il monte sur toi. C'est ça la femme fatale. Elle aime prendre le contrôle. Elle aime prendre le contrôle. Toi-même là, tu vas voir l'humain quand il est dressé, quand ses nerfs sont dressés. Toi-même la femme là, tu t'assois. Assieds-toi sur lui. Ne lui laisse pas le temps même de vouloir monter sur toi. Non, c'est toi qui t'assois. Et puis quand tu t'assois là, tu pompes ça. Oui, tu pompes. Moi, c'est ce que vous dites toujours les femmes. J'ai dit, quand vous voulez pomper là, ne pompez pas droit. Parce qu'il y a des femmes qui disent, oui, mais quand moi, il m'assoit là, il y a trop mal. Quand il m'assoit, il y a trop mal. Mais quand tu t'assois, si tu es raide comme ça, tu vas avoir mal. Tu vas avoir mal. C'est pour ça que je vous demande toujours, les femmes, je dis, soyez toujours cambrées. Une femme qui est toujours cambrée, cette femme-là, elle a la séduction en elle. Elle a une silhouette qui est belle. Parce qu'elle est cambrée, elle se cambre. Donc, quand toi-même, tu as l'habitude de te cambrer, même dans ton intimité, tu es cambrée. C'est-à-dire que quand tu montes sur ton homme-là, tu te cambres comme ça, puis tu montes sur lui. Quand tu montes sur lui, quand tu te cambres là, le truc là, ça va pas comme ça, le truc là fait ça, ça fait ça. Et puis tu pompes, tu grattes le coin, c'est-à-dire que tu le pompes vite fait, vite. C'est-à-dire que quand c'est comme ça là, ne sois pas dans la douceur. Non, c'est pas toujours en fait douceur. C'est pas dans tout en fait douceur. Quand tu lui as refusé la nuit là, quand la nuit il voulait, puis tu as dit non là. Quand tu veux le surprendre le matin là, faut pas aller dans douceur, non. Tu as fait quoi avec douceur? Quand tu as mangé ça dans la bouche là, tu vois que tout est bien là, tu t'assois dessus. Quand tu t'assois dessus là, faut pas aller doucement comme ça, non. Faut piler. Pile. Tu attrapes le truc là, le bijou là, attrape ça en bas là. Attrape en bas là. Attrape ça comme mortier. Attrape en bas là comme mortier. Et puis tu t'assois dessus. Et puis tu as attrapé le truc là. Même si c'est dressé, mais il faut attraper comme mortier. Il faut attraper la racine là. Où il y a les deux pectos là. Il faut attraper la racine là. Et puis tu t'assois dessus. Et puis la racine est dans ta main. Faut pas. C'est-à-dire c'est ça la femme fatale. Faut pas laisser. Non, c'est dur. C'est droit. Oui, c'est vrai. Mais il faut attraper en bas. Attrape en bas la racine là. Et puis tu t'assois dessus. Tu te cambres. Et puis quand tu es en train de pomper là, c'est dans ta main. Et puis tu pompes. C'est-à-dire tu pompes ça comme ça. C'est dans ta main. Et puis tu pompes. Vite fait tes fesses là. Pa, 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 pa. Vite. Faut pas laisser même. Faut pas laisser une seconde même pour qu'il respire. Faut qu'il s'étouffe. Faut qu'il s'étouffe. Oui, c'est ça. Il n'a qu'à te mélanger, mon cher. Tu attrapes en bas la bras, tu piles ça, tu t'assois. Pa, 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 pa. Père des femmes, elle dit oui, quand il m'assoit, il n'arrive pas à pomper fort fort. Si tu es une femme, tu as trop de fesses, que quand tu t'assois, tu n'arrives pas à pomper fort fort là. Quand tu t'assois là. Toi-même, il faut te pencher un peu vers l'avant. Penche-toi vers l'avant. Ton bras, là, prends appui. Prends appui sur le lit ou même prends appui sur sa poitrine. Il ne faut pas t'occuper. Même si tu fais 100 kilos, c'est quand tu es en train de lui faire là, ton poids là même, c'est comme plume. Pas un goût qui est dans sa tête là. On peut même déposer bulldozer sur lui. Il ne va pas sentir bulldozer là, mon cher. Donc, prends appui sur lui. Et puis l'autre main là, prends ça. Tu attrapes la racine. Puis tu piles ça. Tu piles ça. Pa, 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 pa. Je ne te donne même pas 5 minutes. Il gâte le coin. Il ne te donne pas 5 minutes. Il gâte le coin. Quand il finit là, tu descends. Il est mélangé. Il est mélangé. Là, là. Quand il gâte le coin là, ce n'est pas même gâtement. Ce n'est pas même gâtement comme quand il t'a dit qu'il voulait et puis tu as... Voilà, ma connexion était partie, mes amis. J'avais perdu ma connexion. C'est ça, la femme fatale. C'est ça, la femme fatale. Il faut prendre le contrôle. Il faut surprendre ton homme. Il faut le surprendre. Il faut lui faire des surprises. Les hommes, ils sont dingues de ça. Les effets surprises, ils sont dingues de ça. Ils sont dingues de ça. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu es toujours en train de surprendre ton homme, il n'est pas dans l'habitude, dans la routine, là. Il est fou de toi de plus en plus. Il est dingue de toi de plus en plus. C'est ça. Et puis toi-même, la femme, dans ton foyer, dans ta façon même de te comporter, dans ta façon de marcher devant ton homme, dans ta façon de lui parler, dans ta façon même de faire, il doit avoir peur, même si tu es son épouse. Il doit avoir peur. Parce qu'un homme, quand tu fais trop jalousie parce qu'il est en train de sortir là, quand il veut sortir et puis tu fais palabre, tu fais jalousie, tu vas où, t'entends, quand il va dehors là, c'est là-bas mais il va durer. Par une façon tu as fait jalousie là, tu lui as donné envie même de faire des bêtises. Mais quand il veut sortir là, et puis tu le laisses sortir, et puis tu t'occupes pas, tu ignores. S'il est rentré où, à l'heure là même tu t'en fous de ça. Tu regardes même pas.
Tu ne regardes pas, il rentre, il te salue, tu réponds. Tu es normal. Alors que lui, il est persuadé que quand il va rentrer, tu vas faire palabre. Mais quand il rentre là, tu l'ignores. Tu ne lui dis même pas un mot. Pour lui dire, oui, pourquoi c'est maintenant que tu rentres, hein? Pourquoi tu es maintenant que tu rentres? Toi, un homme marié, laissez ça. Ignorez un peu. Déstabilisez-les un peu. Parce qu'un homme même là, quand il a, s'il a l'habitude de sortir tous les jours, de rentrer tard là, quand tu dis plus rien là, tu ignores même ce qu'il fait. Quand tu ignores ce qu'il fait là, il arrête. Je vous dis ça. Les hommes, ils sont comme ça. Les hommes, là, ils sont comme ça. Il va arrêter. Parce qu'il va se dire, mais je suis ridicule. Je sors même, il rentre, mais il ne me calcule pas. Je sors même, il fait ça, il ne me calcule pas. C'est quoi ça? Là, là, pardon, faut pas y perdre ma femme. De toute façon, elle m'ignore, là. Faut pas que quelqu'un d'autre va la prendre. Et puis, là, là, lui-même, là, il se corrige. Lui-même, son comportement change. Tu vois, même, il est à la maison, il sort pas. Toi-même, tu le regardes, tu dis, aïe, dans ton cœur, là, tu dis, aïe. Au-delà, et samedi, monsieur sort pas. Ah, ben, toi-même, là, en fait, c'est ta confiance, ta sérénité, là. C'est ta sérénité, c'est ça. C'est ça la force d'une femme fatale. Elle a mal, mais elle garde. Elle supporte. Et puis, elle lui montre que moi, j'ai pas peur de te perdre. Moi, j'ai pas peur de toi. Je suis ta femme, hein. On a 3 enfants, on a 4 enfants, mais il y a trop confiance en moi. Je suis trop sûr de moi. Donc, il n'y a pas resté là à souffrir pour toi. Il n'y a pas laissé là à faire ça pour toi. L'homme, même quand tu lui montres ça, il a peur de te perdre. Il est tout le temps dans la séduction. Il est tout le temps en train de te prouver que c'est lui. Il te mérite ou tu le mérites. C'est ça. C'est ça, c'est très important. Parfois, tu as ton mari, c'est lui, il est toujours sur son téléphone. Excusez-moi, hein. Allô, ma chérie. Bonjour. Ok, ma chérie. À tout à l'heure. Je suis en direct là, tout à l'heure. Excusez-moi, les amis. Il fallait que je prenne. C'est la vendeuse à Tiké Escargot Crabe là. Comme hier, j'ai commandé. Elle va me livrer. Donc, c'est elle qui appelle. Elle dit, elle est en route. Donc, il fallait que je prenne. La pauvre. Comme elle est en route. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont dans leur foyer. Ton mari... Tous les jours, tous les soirs, quand il quitte au travail, là, c'est lui, il est sur son téléphone. Un, deux, trois, il est sur son téléphone. C'est lui, il va causer. C'est lui, il va envoyer plein de messages. Pourtant, il est là, tu es là. Hein? Il est sur son téléphone, il entend manger son téléphone. Ma chérie, faut pas même te plaindre pour ça. C'est-à-dire que si ton homme, ton mari, lui-même, il sait qu'il est rentré là. Il sait qu'il doit causer avec toi. Il sait que son téléphone, il ne doit pas trop regarder. Mais s'il regarde, qu'il est concentré sur son téléphone, toi aussi... Faut te concentrer sur ton téléphone. Tu as un téléphone, ma chérie. Tu as un téléphone. C'est ça. Parce que quand tu vas manifester ta jalousie, quand tu vas te plaindre, il va te dire, mais je suis sur mon téléphone, il fait quoi? Il fait quoi? Et puis tu te plains, il fait quoi? Je suis sur mon téléphone. Pourquoi tu te plains? Ah, parce que pour lui, il est sur son téléphone, il est en train de causer. Il fait rien de mauvais. Le plus important, il est à la maison. Toi aussi, tu prends ton téléphone. Toi aussi, tu vas causer sur ton téléphone. Toi aussi, tu vas aller sur les réseaux sociaux. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Essayez de... C'est-à-dire que c'est ça, on dit prendre le contrôle. C'est ça, on dit prendre le contrôle. C'est comme ça qu'il va arrêter. Quand il va voir que lui-même, comme il est toujours sur son téléphone, toi aussi, tu es toujours sur ton téléphone. On l'appelle au téléphone. C'est lui tous les soirs, là, vers les 22h, 23h. Les petits filles vont l'appeler, il est au téléphone. Il parle. Pourtant, il sait qu'il est marié. Ma chérie, dis à ta maman, dis à ta soeur. Tu lui dis ma grande, ma petite soeur ou ma grande soeur. Ou tu dis ma maman, ou tu dis à l'une de tes copines. Ma chérie, à partir de 22h là, ou à partir de 23h, mon téléphone là, faut m'appeler beaucoup. Faut m'envoyer beaucoup de messages. C'est ça. C'est ça une femme fatale. C'est-à-dire que comme tu veux me blesser, tu veux me rendre jalouse, moi aussi, là, je te rends jalouse. Moi aussi, je te rends jaloux. Donc, s'il est tout le temps au téléphone, toi aussi là, faut être tout le temps au téléphone. C'est-à-dire que toi là, c'est ça qu'on appelle une femme fatale parce qu'elle a des idées. Elle a des idées. Toi, ta maman, ou bien ta petite soeur, ou bien ta copine. Elle aussi, là, au moment, faut bien remarquer, si ton mari, c'est à partir de 22h, 23h, il est beaucoup, beaucoup au téléphone, il ne s'occupe pas de toi, il est tout le temps sur son téléphone, il faut faire pareil. Ta copine, elle n'a qu'à t'envoyer un message. Tous les 5 minutes, elle t'envoie un message seulement. Lui, et puis tu mets sur sonnerie, hein. Faut pas mettre sur mode vibreur, hein. Parce que si tu mets sur mode vibreur, là, il ne va pas entendre. Tu mets sur mode sonnerie. Oui. Et puis tu reçois un message seulement. Ça, il est au téléphone, mais il est en train de faire ses trucs. Et puis il entend cling, 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 cling. Cling, 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 cling. C'est toi, on t'envoie un message, on va cling, cling, et puis quand tu prends là, tu prends, hein, tu laisses pas, hein, tu prends ton téléphone, et puis tu regardes, et puis tu commences à rigoler. Non, vraiment, hein. C'est ça. Nous tous, on est dans film. Il veut jouer film, toi aussi, tu vas jouer film. C'est ça la femme fatale. C'est lui, mais il va péter un câble.
C'est lui qui va péter un câble. On t'envoie les messages et puis tu fais ça. Eh non. Tu parles pas, hein. Tu fais les gestes comme ça. Jean, tu es contente. Jean, le message qu'on t'a envoyé là, c'est un message qui te fait trop plaisir. Mais il ne comprend pas. Lui-même, il est sur son téléphone là. Il se dit, c'est là qui lui envoie un message comme ça là. Et puis elle est heureuse comme ça. Elle fait quoi comme ça? Tu vas voir son téléphone là. Il va déposer ça. Tu vas te dire, toi, tu fais pas la même. Tu as un téléphone avec qui depuis là? Tu écris à qui depuis là? Puis tu reçois beaucoup de messages. Tu lui dis non. Pourquoi? Je suis en train de causer. Comme tu es sur ton téléphone, je m'ennuie un peu. Moi aussi, je suis sur mon téléphone. Il va laisser le téléphone là. Il va déposer le téléphone là tout de suite. Toi aussi. Si il a un téléphone et ses petites filles là. Toi aussi, ton téléphone là. On n'a qu'à t'appeler. Ta copine n'a qu'à t'appeler. Ou même ta maman n'a qu'à t'appeler. Et puis tu as au téléphone. Il faut que ça sonne. Il faut que ça sonne. Donc faut bien que quelqu'un t'appelle. Donc quand on t'appelle là, et puis tu décroches, et puis tu parles. Allô? Oui. C'est-à-dire que quand tu parles là, c'est les réponses seulement que tu donnes. Hein? Toi, tu n'argumentes pas. Donc tu es là, oui. Allô? Ouais, je suis à la maison. Ouais. D'accord. Ok. Tu es grave aussi. Hein? Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Oh. C'est-à-dire que c'est la causerie comme ça, tu as le téléphone. Pourtant, c'est ta copine qui t'a appelé. Hein? Ou même c'est ta maman qui t'a appelé. Lui-même, là, quand il est au téléphone là-bas, ses petites filles là, les filles là, quand elles sont en train de parler là, ils n'écoutent plus. Il dit, attends, faut te taire, pardon, tais-toi, coupe ta respiration là, tais-toi une minute. Et puis ses oreilles là, il ouvre ça comme ça pour entendre ce que, par exemple, toi, quand tu es en train de parler là, tu ne parles pas fort. Tu parles un peu fort, un peu doucement, et puis tu ne parles pas bien. Donc il ne sait pas ce que tu es en train de dire. À 7h là, toi, une femme mariée, à 23h, 22h, qui t'appelle et puis tu es concentré comme ça. Donc celle qui est au téléphone, elle lui elle dit, faut te taire, tais-toi, s'il te plaît, une minute. Et puis il est comme ça. Il est comme ça. Ses oreilles, il emmène ça vers toi comme ça. Et puis il dit, je te rappelle. Il coupe conversation là. Et puis il va vers toi là-bas. Il dit, mais tu es au téléphone avec qui là? Cette nuit là, qui t'appelle comme ça? Toi, une femme mariée qui t'appelle comme ça? Non, pourquoi? C'est une amie. Comment c'est une amie? C'est une amie comment? Ton amie là, c'est pas que tu es une femme mariée. Et puis c'est à 16h, elle va t'appeler. Coupe-moi ce téléphone là. Et puis allons dormir même d'ailleurs. Il se fait, allons dormir. C'est ça une femme fatale. C'est ça une femme fatale. C'est-à-dire que quand tu vas faire ça là, une, deux, trois fois, lui là, c'est son comportement bande de con là, il va arrêter. Il va plus prendre téléphone pour appeler les gens n'importe comment, les filles là, n'importe comment pour causer. Il va arrêter. Par toi aussi, tu lui as montré que tu peux faire ça. Et quand tu as fait ça là, son cœur là est mélangé. Donc il arrête. C'est ça une femme fatale. C'est comme ça une femme fatale doit se comporter. Parce que pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que tu es en train de lui montrer, je n'ai pas peur de te perdre. Hein. Si tu penses que tu peux t'épanouir avec quelqu'un d'autre, moi aussi je peux t'épanouir avec quelqu'un d'autre. Si tu penses que tu peux m'ignorer dans la maison, moi aussi je vais t'ignorer dans la maison. Parce que ne pense pas que tu es le centre du monde. Ne pense pas qu'il n'y a que toi qui va me rendre heureuse. Ne pense pas que c'est parce que toi tu es disponible que moi je suis heureuse. Non, si tu n'as pas mon temps, j'ai aussi le temps de quelqu'un d'autre. Je peux rire avec quelqu'un d'autre. Je peux m'amuser avec quelqu'un d'autre. Le fait même de montrer ça à ton homme, c'est ce qui fait qu'il devient fou de toi. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas donner tous mes secrets. Passez dans tous mes secrets là. Comment il a gagné mon argent? Il a gagné mon argent comment? Comment est-ce que les femmes vont rentrer dans mon inbox pour dire, ah coach, je vais devenir une femme fatale? Comment les femmes vont rentrer pour me dire, coach, je vais séance de coaching. Je vais devenir une femme fatale. Je vais rendre mon mari dingue. Comment il a gagné mon argent? Ah, donc je m'arrête là. Hein? Les autres secrets là, je garde ça pour moi-même. Si tu veux savoir ça là, faut payer séance de coaching. Viens te prendre. Viens te montrer les vrais secrets. Pour que ton mari mange dans ta main. Oui, il va manger dans ta main. C'est-à-dire qu'il sera tellement malade de toi, fou de toi. Toi-même, arrivé à un certain moment, il va t'appeler Dieu donné. Oui. Moi, il y a des moments où on m'appelle Dieu donné. Il y a des moments où on m'appelle Dieu donné. Il y a des moments où on m'appelle ma vie. Il y a des moments où on m'appelle, hey, Seigneur, si tu n'étais pas né, qu'est-ce que j'allais devenir? Pareil, je suis une femme fatale dans le sang. C'est-à-dire que dans mon être même, là, je suis fatale. Et puis, j'aime ça. Je n'aime pas être comme tout le monde. Je n'aime pas être dans un foyer et puis mon foyer ressemble à tout le monde. Non. Moi, je veux que mon foyer soit spécial. Je veux que mon homme, là, il sente que je suis spécial. Je veux qu'il sente que je suis une femme très fatale. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Une femme qui est indépendante. Qui sait chercher son argent. Une femme qui n'a pas peur. Quels que soient ses deux enfants, elle n'a pas peur. Voilà, moi c'est ça que j'aime. J'aime les choses comme ça là. Voilà. Donc c'est ce qui marche. C'est ce qui fait que l'homme devient fou de toi. Vous avez compris?
J'ai 3 séances de coaching. J'ai 3 séances de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique et par appel WhatsApp. Ça a son prix. J'ai un coaching par appel vidéo. Ça a son prix. Et puis, j'ai un coaching physique. C'est-à-dire qu'on se rencontre. On prend rendez-vous. Tu viens, on s'assoit, on parle. Tu me vois, je te vois. Tu me touches, je te touche. Quand il dit te toucher, là, il n'est pas dit de me toucher pour m'amener au lala. Hein. C'est toucher simplement, ça veut dire que me serrer la main. Si tu veux me parler, me saluer, tu me serres la main. Je suis devant toi, je te vois dans les yeux, tu me regardes dans les yeux. Ça aussi, là, ça a son prix. Vous avez compris? C'est la coach caviar. La coach caviar. La coach champagne. L'excellence. Voilà, ça veut dire que moi, là, je change ta vie. Je change ta vie. Ta vie sentimentale, moi, je te change ça. De la manière que tu es dans ton foyer, là, dans ton couple, puis tu n'es pas bien, là, moi, je te change ça. Je te rends épanouie, je te rends heureuse. Je te rends heureuse. Et tu prends la relation amoureuse, tu prends ça autrement. La vie de couple, tu prends ça autrement. Tu as une façon de te comporter. Toi-même, ça te fait du bien. Et ça fait du bien à ton homme. Ça fait du bien à ton couple. Moi, je te donne ça, ce secret-là. Mais pour avoir tous ces secrets-là, faut payer. Faut prendre une séance de coaching. Prends une séance de coaching. Si tu es intéressé, que tu as besoin de séances de coaching pour me parler, pour que je te coach. Si toi, une femme, tu es bien, tu as l'argent, mais tu ne sais pas comment t'habiller. Tu ne sais pas ce qu'il te va. Tu ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il faut mettre pour faire ressortir tes atouts. Tout ça là, il y a don de ça. Je connais ça aussi. Ce qu'elle te dit, comment tu as t'habiller, puis tu as devenu une femme fatale là. C'est que tu vas porter, puis toi-même, quand tu te regardes, tu cries yes là. Et puis ton mari, même quand il te regarde, il tremble là. Tout ça là, je connais ça. Donc, si tu as besoin de tout ça là, tu as besoin d'un changement, un relooking, relooking même là, il faut venir, rentre dans mon inbox. Prends séance de coaching. Toi et moi, on va faire le travail. Tu vas être satisfaite, tu vas apprécier. Bisous. Bisous. Merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir été très nombreux. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez beaucoup partagé. J'espère que vous avez beaucoup, beaucoup partagé. Pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo, qui ont apprécié, qui ont appris, la façon idéale de me dire merci, c'est de partager ma vidéo. C'est aussi ça, une reconnaissance. Je vous ai appris. Pour me dire merci, c'est un partage. Faites des partages. Partagez, s'il vous plaît. Et vous allez voir votre week-end là, vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise. Votre vie sera comme ça. Vos week-ends, ça sera bien comme ça. Parce que vous avez été reconnaissant. C'est-à-dire que vous avez appris et puis vous avez partagé ma vidéo. À bisous là-bas. À bisous. Ciao, ciao. La coach caviar. Mouac.